cauchemar. Une guerre est à nos portes. Le vent de l'Est nous apporte d'Irlande génocide humain. Dimanche, il va falloir que l'on vote. L'extrême droite est à nos portes. Dur le réveil ce matin. Que reste-t-il de Montebourg, de Manuel Valls ou de Béroux, de Ségolène, de Hollande ou de Pécresse? Que reste-t-il de Monsieur Hulot? Il est en vacances, l'écolo, rattrapé comme beaucoup par des histoires de fesses. On confie nos vies, nos destins aux politiques par bulletin interposé, mais de toujours ils n'ont de cesse de nous décevoir, de ne pas répondre à nos vœux et aux grands enjeux. Ne serait-ce pas que ce système, il est foireux? L'espoir qu'un bout de papier nous apporte dans un monde de cloportes kafkaïens et délétères. La voie vers un monde de partage avec des voix que tout partage. Mais qu'est-ce qui me prend? Je suis bien pessimiste ce matin. Que reste-t-il de mes espoirs usés d'élite malgré moi, de cet optimisme invétéré qui me colle aux fesses? Ces idéaux qui sont les miens, pas forcément ceux du voisin, et un système basé sur des promesses pas tenues la plupart du temps, ou non conformes à nos attentes. Des élections marquées par le taux d'abstention, une enveloppe, un isoloir. On se sent bien seul dans l'histoire. Je cherche en vain un bulletin. Bonheur humain.